Valdiura vestitus, tres serma, tamo modo de pastel. Curava pele de transport. Pendant 4 ans ou 3 ans, quand les trois premiers venaient de notre action politique, nous avions été beaucoup interpellés. On nous taxait de lanceurs d'alerte, de dénonciateurs qui n'avaient absolument rien à proposer. Mais en démocratie, vous ne pouvez pas, dès le premier jour d'un mandat, ou au milieu de ce parcours, dévoiler un programme. Pour ceux qui nous suivent très bien, à chaque fois que nous critiquons, à la place, nous faisons des propositions sectorielles. L'année dernière, j'avais édité mon premier ouvrage qui s'appelait Pétrole et gaz du Sénégal, produit d'une spoliation. Et le dernier chapitre de cet ouvrage est consacré aux propositions que nous formulons pour une gestion rationnelle et bénéfique de nos ressources pétrolières, gazières, mais au-delà de nos ressources naturelles tout simplement. Et ces propositions ont été reprises dans le livre Vision que nous avons présenté aux Sénégalais le 16 septembre 2017. Donc, nous n'avons jamais manqué de faire des propositions sectorielles. Il était important de construire parce que l'actuel régime est arrivé avec une ribambelle de slogans. La patrie avant le parti, gestion sobre et vertueuse, restauration de l'état de droit, etc., etc. Et le commun des Sénégalais, souvent, n'a pas les outils pour pouvoir apprécier la conformité de l'action avec les slogans qui lui ont été vendus. Et je ne pense pas que, si nous n'avions pas pris notre responsabilité pour révéler aux Sénégalais un certain nombre de faits extrêmement graves, attentatoires aux intérêts du Sénégal, dans la gestion de nos ressources naturelles, dans les pratiques fiscales, dans la gouvernance de manière générale. Je ne pense pas que, je ne parle même pas des Sénégalais qui n'ont peut-être pas un certain niveau d'instruction, mais même les Sénégalais qui sont très instruits n'auraient pas pu avoir ces informations. Et donc, il était important dans un premier temps que nous fassions comprendre et fassions voir aux Sénégalais que le discours qu'on leur avait vendu n'avait rien à voir avec la pratique réelle, la gouvernance. Je crois que s'il n'y avait pas ce travail que nous avons fait, mais pas seul, beaucoup d'autres se sont battus pour ça. Nafigol Keïta a été relevé à cause de ça. Thierno Alassane Sall a dû quitter le gouvernement à cause de ça. Le juge Dem a dû démissionner à cause de ça. Le capitaine Diey également. Et de plus en plus de Sénégalais, la liste est loin d'être exhaustive, ont fait ce travail. Et certains même qui étaient avec le président Macky Sall, qui ne le sont plus, j'ai parlé de Thierno Alassane Sall, j'ai parlé de l'ancien premier ministre Abdoulaye Baye. Ce combat pour la vérité sur la gouvernance du Sénégal a été porté par beaucoup d'acteurs ces dernières années. Et n'eût été ce combat, je ne pense pas qu'il y aurait ce niveau de discrédit sur le président Macky Sall et son équipe, parce qu'ils auraient réussi l'exercice de saupoudrage et les Sénégalais auraient pensé, avec un TGV ou un train, je ne sais pas quoi, avec quelques immeubles à Diop Niayo, que le monsieur était en train de travailler. Eh bien, ce temps, je ne dirais pas qu'il est révolu. Il ne sera jamais révolu. Le combat que nous menons pour la transparence dans la gestion de notre pays. Et c'est pourquoi, bien après la sortie du livre, vous m'avez entendu vous prononcer sur une histoire scandaleuse et énorme, puisque portant sur un montant de plus de 90 milliards et qui implique des autorités administratives très proches du président Macky Sall. Mais ce temps ne peut plus prendre les devants. Nous avons opté depuis des mois et des mois pour nous retirer, réfléchir, écrire et présenter cette fois-ci aux Sénégalais une vision. Mais ce que nous avons présenté va au-delà d'une vision, parce que nous avons présenté des axes programmatiques dans ce livre, même si le programme détaillé
daté, chiffré, va être présenté aux Sénégalais peut-être d'ici fin décembre ou plus tard début janvier. Et nous sommes dans ce temps de partager avec tous les Sénégalais. Mais cette vision, nous voulons aussi la confronter, avoir ce courage d'éprouver ce que nous avons écrit et d'éprouver ce qui est ressorti de notre réflexion. Et c'est pourquoi même pour la sortie de cet ouvrage, nous avons accepté de nous soumettre à un défi, de le présenter publiquement à un parterre d'intellectuels, d'universitaires, de journalistes. Nous n'avons aucun sens interdit parce que pour nous, dans l'impératif de reprendre en main la gestion de notre pays, il ne doit y avoir de tabou pour celui qui aspire à jouer ce rôle. Nous sommes dans ce temps de proposition et je crois que c'est nos adversaires politiques qui sont aujourd'hui dans le temps de l'effort de déconstruction. D'où toutes les attaques dont a parlé tantôt le modérateur. Nous sommes, nous, dans une phase offensive et donc c'est nous qui sommes logiquement les gouvernants. Et nous avons en face de nous des gens qui sont sur la défensive, qui sont devenus l'opposition. Ce genre d'occasion, d'habitude, je préfère ne pas beaucoup parler. Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir la parole, soit pour faire des contributions, soit pour poser des questions. Et c'est cet échange qui nous intéresse, nous. Le modèle de développement que nous proposons au Sénégal. Pour bien comprendre le modèle que nous proposons, il faut que nous remontions au modèle actuel. Quel est notre modèle actuel? Notre modèle actuel souffre de deux ou trois problèmes au moins. Là, je parle uniquement des questions économiques. Le premier problème, c'est que nous avons une économie inversée, à deux sens au moins. Inversée parce qu'elle n'est pas réellement une économie sénégalaise. Nous avons une économie majoritairement, en tout cas à 84%, donc une majorité étouffante, qui est entre des mains étrangères. Aucun pays ne pourra se construire sous ce modèle. Parce qu'en réalité, cela se traduit par, en tout cas, si le pays fonctionne plus ou moins correctement et si nous réalisons une croissance, cette croissance est extravertie et ne bénéficie au Sénégal que pour 1,6%. 1,6 pour 10. Parce que si vous avez une croissance même de 10%, les 8,4% sortent du pays, souvent sans payer d'impôts ni de taxes. Parce que ces mêmes entreprises, ces mêmes multinationales, généralement bénéficient d'exonération fiscale. Le deuxième élément, c'est que nous avons une économie qui n'est pas assise sur une vraie structure. Nous avons une économie qui dépend à 70% du secteur tertiaire. Les banques, les assurances, le commerce général, ainsi de suite. Secteur qui ne crée pas beaucoup d'emplois, déjà. Mais c'est les modèles d'économie post-industrialisée qui se présente sous ce rapport. Mais quand un pays veut se développer, doit avoir de développement, il faut que ce pays travaille à rattraper son gap industriel. Au Sénégal, il n'y a plus d'industrie. De manière générale, en Afrique, il n'y a pas d'industrie. Il n'y a que l'industrie qui permet de transformer, de créer de la valeur ajoutée et donc d'être compétitif. Si on est dans une politique d'exportation, de pouvoir exporter en y tirant le plus grand profit, notamment en matière de devises, mais de pouvoir également bien distribuer à l'intérieur de son marché et aller à la conquête d'autres marchés africains, surtout dans le cadre de zones de marchés régionaux ou sous-régionaux. Nous n'avons pas ça au Sénégal, ce qui nous amène à exporter les rares produits que nous exportons, c'est des produits bruts. Nous exportons du poisson frais, brut. On ne peut même plus transporter et transformer le poisson chez nous. Si on le trouve d'ailleurs, parce qu'avec les accords de pêche, on a vendu tout notre potentiel. Nous exportons de l'or brut. Quelqu'un disait avant-hier que
Aucune femme sénégalaise ne peut se parer avec de l'or produit au Sénégal. Et pourtant, on en sort des tonnes et des tonnes chaque année de Sabodala, où les populations croulent sous la famine. Nous exportons des zircons bruts, du phosphate brut. Nous exportons des produits horticoles. Quand le Sénégal exporte des mangues ou d'autres produits horticoles vers l'Arabie Saoudite qui n'en produit pas, mais qui s'est débrouillé pour avoir quelques unités de transformation pour faire des canettes et revenir nous vendre ça à 10 fois plus cher, ça pose un problème. Nous exportons maintenant même l'arachide. Les Chinois viennent nous prendre l'arachide, la noix d'acajou. Nous exportons tout brut et nous ne transformons absolument rien. Une économie qui fonctionne comme ça ne peut pas être compétitive, ne peut pas permettre d'inverser ou d'équilibrer la balance commerciale. Et nous, nous avons dit qu'il faut inverser cette tendance. Et c'est pourquoi l'industrialisation est au cœur de notre programme. Mais souvent, évidemment, dans les modèles économiques, on a voulu nous présenter les schémas sous la forme d'un modèle par substitution des importations ou un modèle de promotion des exportations. Mais les deux ne sont pas incompatibles. 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, un pays pouvait faire une option pour l'un ou l'autre des modèles. Comme ce fut le cas pour la Corée du Sud, qui, rappelons-le, en 1960, était sensiblement au même niveau de développement que le Sénégal, et qui aujourd'hui est parmi les économies les plus performantes. Mais cela n'est plus possible aujourd'hui, parce qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas encore la mondialisation. On n'était pas dans le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui n'attend personne. Vous ne pouvez pas dire, d'abord, je m'occupe, je fais tout pour... j'importe énormément et j'exporte très peu. Donc je vais tout faire pour exporter, pour importer moins avant de travailler à exporter. Vous ne pouvez plus le faire. Désormais, il faut avoir l'intelligence de travailler sur tous les fronts, mais en ciblant les secteurs où vous pouvez être tout de suite et maintenant compétitif. Si vous sautez tout de suite, au lieu de vous doter d'une industrie pour pouvoir transformer votre arachide, qui est une culture extrêmement utile et utilitaire, contrairement à ce qu'on vous dit, rien n'est ajouté dans l'arachide. La coupe d'arachide pour faire du savon naturel et de la litière pour les volailles. La fane d'arachide, vous ne pouvez pas trouver mieux pour nourrir le bétail pendant la saison sèche. La graine d'arachide, on s'en sert comme pour l'arachide de bouche, mais on s'en sert également pour faire l'une des deux huiles qui ont été créditées pour les longues cuissons. Donc, tout est positif dans l'arachide. Et le Sénégal aujourd'hui, si on produit 1 million de tonnes, la Sonacos, Copéol, tous les industriels ne peuvent pas prendre plus de 400 000 tonnes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire des 600 000 tonnes restantes? Restant du moins, c'est ce que les Chinois, les Vietnamiens viennent nous acheter aujourd'hui pour les transformer chez eux et venir nous revendre le produit beaucoup plus cher. Ouais. Nous ne pouvons pas attendre. Il faut travailler en ciblant là où nous avons un potentiel. Et Dieu sait que nous n'avons que du potentiel. On ne peut pas sauter tout de suite pour dire que nous voulons aller vers la sidérurgie lourde, nous voulons aller vers la pétrochimie, puisque nous avons aujourd'hui du pétrole et du gaz. Nous risquons de nous retrouver dans le même schéma qu'avec tout ce qu'on a eu comme ressources naturelles jusqu'à présent. C'est-à-dire, on va nous pomper tout notre pétrole, tout notre gaz, qu'on va sortir du pays brut, et nous n'avons que 10% des droits, parce que c'est cela que l'État du Sénégal est allé signer avec ces multinationales. Si vous avez du pétrole, le pétrole, c'est 45% de liquide, notamment le pétrole, l'essence et le gasoil, mais c'est 55% de produits dérivés qui permettent de faire tous les tables sur lesquelles vous êtes assis. C'est des produits synthétiques avec du pétrole. Tout ce qu'on utilise, il y a des dérivés du pétrole. Pourquoi ne pas dès à présent nous projeter pour dire dans 10 ans, dans 15 ans, nous voulons avoir une industrie pétrochimique. Mais nous pouvons déjà avoir une industrie pour transformer nos ressources halieutiques sur place. Et c'est pourquoi dans l'ouvrage des gens, nous avons dit, sur 12 000 miles, nous n'admettrons plus que des bateaux étrangers puissent pêcher. C'est nos pêcheurs traditionnels qui aujourd'hui sont obligés de
de faire l'immigration clandestine parce qu'ils n'ont plus accès aux poissons. Et ces 600 000 familles qui vivent de cette pêche traditionnelle, c'est à eux qu'on restera ce privilège de pouvoir pêcher, de débarquer sur nos côtes. Et il nous faut des usines de transformation maintenant sur tout le littoral pour pouvoir, évidemment, avec l'encadrement qu'il faut, le financement, de mettre aux normes, mais satisfaire d'abord notre marché. Parce que les Sénégalais ont droit quand même au tchof comme tout le monde avant de songer à exporter. Nous avons un potentiel, nous l'avons dans le secteur agricole. Quand je visite ces pays, hier on était en Belgique et on a fait un petit déplacement de Bruxelles à Namur. La Belgique c'est 10 000 km². Le Sénégal c'est 186 000 km². Comment l'agriculture belge pour exporter son surplus au Sénégal? Qu'est-ce qu'on fait de nos terres? Quand je fais l'Amérique du Nord, les États-Unis c'est autre chose, c'est un continent. Le Canada même, je suis en Europe depuis quelques temps, j'ai pu faire quelques visites en Espagne, la France c'est resté à Paris. La Belgique, on a pu voir quelques petits éléments. Mais on se pose des questions. Ces pays ont été confrontés quand même à des défis extraordinaires. Le climat que je vois ici, et on me dit qu'il ne fait pas encore frais pour le Sahélien que je suis, car je suis très pressé de rentrer à Dakar. Et j'imagine les défis auxquels ces pays ont dû faire face, les obstacles qu'ils ont dû surmonter pour en arriver à ce niveau de développement. Dieu ne nous a pas soumis à autant d'obstacles. Nous avons le meilleur climat du monde. Nous n'avons aucune contrainte climatique. Nous avons toutes les richesses naturelles. La Suisse n'a ni or, ni zircon, ni phosphate, ni océan même, je crois. Et quand je vois la Suisse financer, soutenir des projets au Sénégal, il y a de quoi se poser des questions. Et donc aujourd'hui, quand on regarde ces pays, on se rend compte que tout est structuré autour de quelques principes, l'organisation et la discipline. Il ne faut pas qu'on pense qu'il y a une vertu naturelle, encore plus de vertu naturelle à s'astreindre à l'organisation, à la discipline de la part de tel peuple plutôt que de tel autre peuple. Mais si on parle d'organisation et de discipline, c'est de se doter de règles, mais surtout de les appliquer. Il n'y a quasiment pas de loi qui existe ici et qui n'existerait pas au Sénégal. Nous avons presque le même code de la route, mais on fait ce qu'on veut. Nous avons les mêmes lois, sinon un dispositif répressif contre la corruption beaucoup plus corsé. Je ne crois pas qu'il y ait une CREI ou une OFNAC ici. Et pourtant, vous savez ce qui se passe au Sénégal. Donc la seconde question qui a été posée, c'est le rôle des immigrés. Évidemment, nous considérons que les immigrés, quelque part, le rôle que les immigrés ont joué dans le développement de la Chine, les immigrés chinois, les immigrés italiens avant eux dans le développement de l'Italie, les immigrés turcs pour la Turquie, et peut-être même les immigrés rwandais actuellement pour le Rwanda, c'est un rôle de premier plan. Les statistiques peuvent donner jusqu'à 30% dans l'envol économique. Et c'est ce que nous attendons, nous, de notre immigration. Parce qu'au Sénégal, à chaque fois qu'on parle de l'immigration, c'est à la fin de l'année, c'est pour polémiquer sur le montant des transferts. Certains disent que c'est 1000 milliards, d'autres disent non, on n'a pas tenu en compte les transferts informels, c'est 1500 milliards. C'est ça. Et ça traduit l'image que nous faisons, nous, de l'immigré. Je crois que dans un des pays que j'ai fait récemment, quelqu'un a dit, au Sénégal, on nous prend pour des vaches à lait. Les transferts, c'est important, mais il faut que nous travaillions tous à les réorienter vers les secteurs productifs. Pour l'immigré, d'abord, parce qu'envoyer de l'argent, mieux vaut pouvoir orienter cet argent vers quelque chose de productif, de pérenne et de rentable. Et demain, si vous devez revenir, vous pouvez vous-même trouver un point de chute parce que vous avez investi dans quelque chose qui marche. Et c'est important.
l'État a le devoir et l'obligation de créer maintenant le cadre. Beaucoup d'immigrés ont voulu rentrer, beaucoup d'immigrés ont voulu investir au Sénégal. Beaucoup d'immigrés ont voulu essayer quelque chose, mais à 90%, ça se termine très mal. Parce que le cadre ne permet pas de travailler au Sénégal. L'administration est un boulot. Pour un plus petit papier, quelquefois, c'est le marathon. Le financement est quasiment inaccessible, même si vous avez un capital de base pour pouvoir travailler. Souvent, également, l'immigré qui a quitté le Sénégal très jeune, il n'avait pas travaillé, il est venu pour étudier, ou il est venu pour parler bureau pour essayer de faire quelque chose. Il n'a pas appris à travailler au Sénégal. Le climat et les conditions d'entourner au Sénégal n'ont rien à voir avec la Suisse ou... Il faut se tropicaliser au Sénégal. Il faut pas, je dis souvent, ce que vous ne pouvez pas gérer par vous-même, mieux vaut ne pas investir. Parce que dès que vous tournez le dos, et quelquefois c'est les membres de la famille eux-mêmes. Et donc il faut tout un encadrement pour que les immigrés puissent venir entreprendre. Mais il faut aujourd'hui qu'on comprenne pourquoi ma vision personnelle est celle de passer. C'est que même là, quand je parle d'entreprendre, je suis dans le secteur privé. Celui qui veut construire le Sénégal, il faut pouvoir compter sur ce potentiel et responsabiliser des gens qui ont acquis des expériences extraordinaires, une compétence, une façon de travailler basée sur d'autres critères qui ont fait leur preuve ailleurs. Il faut pouvoir aujourd'hui responsabiliser ces gens-là. Et ça suppose qu'on mette le Sénégalais qu'il faut à la place qu'il faut pour obtenir des résultats. Ces transferts, toujours, je crois qu'on ne les utilise pas très bien. On nous parle d'aide au développement. Hier, j'étais à la Commission européenne et j'ai rencontré M. Louis Michel avec qui nous avons eu de longs entretiens. Et l'un de nos points de divergence, c'est cette affaire d'aide au développement. Moi, je ne crois pas à l'aide au développement. Je ne crois pas à cela. Je considère que nous avons, nous, les moyens endogènes. Ça ne sert absolument à rien que tu me dises je t'apporte un peu d'aide au développement qui profite beaucoup plus à des ONG et à quelques fonctionnaires qu'aux populations elles-mêmes. Le transfert des immigrés, c'est 4 fois l'aide au développement. Toute l'année, vous n'entendez que l'aide au développement, la coopération, l'aide au développement. Et donc, mais ce transfert-là, il faut qu'il soit orienté vers des secteurs productifs. Dans l'ouvrage, j'ai effectivement énuméré les sources de financement d'un État. C'est d'abord la fiscalité. C'est ensuite ce que vous tirez de la gestion rationnelle de vos ressources naturelles. C'est ensuite avoir une monnaie à vous, ce qui n'est pas le cas du franc CFA. La monnaie est un instrument, parce que si vous n'avez pas de politique de change, vous ne pouvez pas adapter votre monnaie à votre réalité économique et également aux fluctuations mondiales. Mais c'est aussi justement pourquoi j'ai mis en 4e position les transferts des immigrés. Aujourd'hui, l'État, avec simplement un schéma de titularisation, d'appel public à l'épargne, peut tirer beaucoup plus de contributions des immigrés qui viendront parce que l'État a besoin d'argent et fait appel public à l'épargne, rémunéré. Qu'un immigré vienne dire je prends 10 obligations, 100 obligations, 1000 obligations, et l'État peut tirer beaucoup plus et ça nous coûtera beaucoup moins cher que les eurobonds et les prêts que nous devons sur le marché international. La 3e série de questions, c'est lié à ce que j'appelle moi les clés et la conduite du changement. Comment constituer cette masse critique? Mais c'est ce qu'on fait actuellement. Nous sommes à l'ère de la communication. Je crois qu'il y a 2 ans et demi ou 3 ans, aucun des Sénégalais qui sont dans cette salle ne connaissait Ousmane Sonko ou Pastef. Je crois que nous avons beaucoup travaillé à communiquer avec les Sénégalais. Même si ce n'est pas facile de communiquer au Sénégal, parce que vous savez bien comment ça se passe, nous avons eu beaucoup de problèmes à accéder à un certain nombre de leviers de communication dans un premier temps. Mais nous sommes également à l'ère de l'Internet et des réseaux sociaux. Et je rappelle qu'au moment où on parle, l'Assemblée nationale sénégalaise a voté une modification du code des télécommunications pour permettre à Macky Sall de pouvoir bloquer les réseaux sociaux à sa guise. C'est l'un des éléments du hold-up qu'il prépare, du hold-up électoral qu'il prépare. Nous communiquons
nous parlons, mais nous considérons que chaque Sénégalais qui a conscience de la vision que nous développons, qui se retrouve dans le combat que nous menons, a immédiatement le même niveau de responsabilité que moi-même, Ousmane Sonko, ou n'importe quel autre membre du parti, à diffuser et à vulgariser ce message. Parce qu'il s'agit du Sénégal. Il est temps que nous apprenions aux Sénégalais que l'ère des messies est terminée. Et qu'est-ce qui fait cela? Pourquoi nos partis politiques sont des partis politiques unipersonnels, comme je les appelle? Nous avons des partis politiques unipersonnels à responsabilité limitée. Ça veut dire quoi? Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans nos partis politiques, il est fréquent de dire qu'il n'y a qu'une constante, tout le reste c'est des variables. Parce que nos partis sont construits autour d'une personne. Et tout part de cette personne, tout revient à cette personne. Et si un parti est conçu de la sorte, ce parti, s'il accède à la gouvernance, gouvernera de la sorte. Or, la gouvernance solitaire ne produit jamais, jamais quelque chose de bon. Et donc, ce qui nous permettrait de contourner ce piège, c'est que dès à présent, le projet soit un projet porté par une masse, comme je l'ai dit. Elle peut être critique ou pas, j'ai rencontré tout de suite une députée suisse et, qui travaille beaucoup sur l'Afrique, sur les questions de l'environnement. Et elle me disait, le changement historiquement est porté par 10% de personnes déterminées. Elle a tout à fait raison. Quand on parle de masse critique, ça ne veut pas dire la majorité. On n'attend jamais d'avoir la majorité pour initier un changement. La majorité n'est jamais une source ou une garantie de qualité dans le changement que nous voulons. Et c'est pourquoi j'aime pas beaucoup qu'on parle de moi. Je ne veux pas qu'on centralise la chose sur la personne d'Ousmane Sonko. Quand on a créé le parti, un débat s'est posé. Comment il fallait faire? Il y avait un long débat. À un moment donné, les premiers textes du parti nous avaient dit surtout pas de président ou de secrétaire général. Nous allons créer un triumvirat, trois secteurs nationaux qui ensemble vont, chacun aura une responsabilité bien définie et c'est ce triumvirat qui va diriger le parti. Jusqu'à quelques jours de l'Assemblée générale, c'était le débat. Et les gens ont fini par considérer que c'était ça pouvait porter les germes de l'autodestruction même. Parce que forcément, un problème de une querelle de leadership allait naître. Les deux peuvent s'entendre et le troisième pas, ou que les trois ne s'entendent pas et on est bloqué. C'est ça qui nous a amené. C'est pour dire l'obsession que nous avions. Et après la création du parti, on a dit, quoi qu'on dise au Sénégal, nous avons été éduqués, formatés avec ce culte, cette notion de culte du chef. Le Sénégalais se reconnaît en un chef, culturellement, religieusement et politiquement. Il n'y a pas de politique en dehors des réalités. Et il faut partir des réalités pour progressivement impulser un changement. Mais si dès à présent, nous réussissons ce pari d'un projet, certes porté par un candidat, porté par une équipe, mais un projet qui associe, qui inclut une masse importante de Sénégalais qui ont la même détermination, le même niveau d'engagement et qui contribuent de la même manière à faire avancer ce projet. Aujourd'hui, je ne finance pas plus le projet que n'importe lequel d'entre vous. Je suis là, mais depuis que j'ai commencé mes tournées en Occident, c'est nos militants de la diaspora qui ont acheté les billets d'avion, qui ont réservé les hôtels. Donc, je n'ai pas plus de responsabilité dans la marche du parti que chacun d'entre vous. Et si on porte le projet de cette manière, maintenant, demain, si par la grâce de Dieu, nous sommes élus, nous gouvernerons de cette manière. Parce que la manière dont vous avez fait la politique en amont va déterminer la manière dont vous allez gouverner. Quand vous avez l'habitude qu'on vous dise, vous êtes le seul, vous êtes le plus beau, vous êtes notre héros, c'est vous qu'on attendait, le jour où vous serez élu, vous allez vouloir faire exactement la même chose parce que vous allez penser que vous êtes le centre du monde. Et c'est pourquoi, dans ce que j'ai proposé, les mesures de réduction et
de réglementation des pouvoirs du président de la République. De retour de mon voyage d'Amérique du Nord, j'ai agité une idée et j'ai laissé les gens discuter. J'ai dit, est-ce qu'il ne faudrait pas un régime parlementaire au Sénégal? Est-ce qu'on a besoin d'un président de la République? C'est une question que je ne tranche pas. Ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai proposé dans le livre n'est pas très éloigné de cela, parce que même si on maintient le poste de président de la République, il sera tellement encadré et ses pouvoirs seront tellement réduits, avec une réelle séparation, mais surtout un équilibre entre les pouvoirs, avec une réelle décentralisation horizontale au niveau des collectivités locales et verticale, avec le principe d'autonomisation d'un certain nombre de choses, notamment les communautés, comme je l'ai appelé. Je pense que si on va vers ça, même si on maintient le poste de président, on n'aura pas ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un petit pharaon intouchable qui fait ce qu'il veut, et pour le cas de la gouvernance actuelle, avec une arrogance que rien ne justifie, et qui après, quels que soient les forfaits, peut tranquillement prendre son avion et aller à Houston loger, et nous on continuera avec nos problèmes. Il faut qu'on en finisse avec ce système, et cela doit démarrer maintenant dans la manière de faire la politique dans nos organisations. Pour parler de l'agriculture, quelqu'un a posé la question, j'anticipe. L'agriculture, il faut régler. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre d'une agriculture saisonnière. Il faut gagner la bataille de la maîtrise de l'eau. Et depuis des années, on nous vend le projet de la revitalisation des vallées fossiles, qui est un excellent projet. Parce que ça permettrait de recréer des bassins agricoles dans beaucoup de zones en puisant sur le fleuve Sénégal et sur le fleuve Gambie et même sur le fleuve Casamance. Mais pourquoi on ne le fait pas? Par exemple, pour le nord du pays, à chaque fois, le président Blair avait pris l'engagement, il a reculé. Le président Abdou Diouf avait lancé le projet, il a reculé. Le président Macky Sall, lors du premier discours de politique générale de son premier ministre, Abdoul Mbaye, avait parlé de ce projet, il a reculé. Pour la simple raison que la Mauritanie s'oppose à ce que nous puissions nous prendre un peu de cette eau pour revitaliser nos vallées. Et donc le président recule par rapport à ça. C'est pourquoi quand on parle de bon voisinage, j'ai du mal, parce que quand ils ont voulu répartir le pétrole entre nous et la Mauritanie, ils ont dit 50-50. Vous avez suivi qu'à l'Assemblée nationale, je me suis opposé. Parce que si le gaz, c'est du gaz d'ailleurs, parce que là-bas c'est le gaz, s'il y avait un mètre cube de gaz de plus du côté mauritanien, les Mauritaniens n'auraient jamais accepté 50-50. Donc, si on l'a accepté, c'est parce que le gaz est beaucoup plus du côté sénégalais que du côté mauritanien. Quand nos pêcheurs traversent la frontière pour aller chercher du poisson, on tue sur eux. Et pourtant, Senghor avait pris sur lui de donner la rive gauche à la Mauritanie sans consulter le peuple sénégalais. Et on continue à nous parler de bon voisinage. On ne peut même pas prendre un peu d'eau pour revitaliser nos vallées fossiles. Donc il faut gagner la bataille de la maîtrise de l'eau pour pouvoir faire de l'agriculture 10 mois sur 12 au minimum. Vous le faites, vous réglez la question de l'agriculture. Le reste, c'est des questions d'accompagnement technique et de financement et de commercialisation. Nous avons les schémas qu'il faut. Alors, donc pour la production locale, elle est extrêmement importante, qu'elle soit économique, qu'elle soit artistique, culturelle, qu'elle soit de tout autre ordre. C'est au cœur de nos préoccupations. Madame Marianne Fall, Nelle émigrée Sommani. Vous savez, man, les mois de l'église et de développement à l'aéro, qui est le même. Je me gomme souveraineté. Je me gomme, moi, sa bop, gomme sa bop. Ce n'est pas gomme sa bop. Nous n'avons qu'en termes d'initiative individuelle. Gomme sa bop, moi, gomme sa rêve. Voilà, on a fait le rôle d'intérêt individuel, on a fait le rôle de l'intérêt général. Quand on est à la bonne famille, on a repris sur soi. Qu'est-ce qu'il y a des gens aux États-Unis? Je suis allé au Canada, je suis allé à un député canadien, je suis allé à un problème de beaucoup au Canada. Parce que le gouvernement Québec, il faut décider de faire une loi, voter pour ça, des lois très dures contre les minorités.
moy nit ñu ñuul ñi ak julit ñi té loolu le gouvernement fédéral du ko nal loolu mo xew discours yi ngeen di dégg fi yépp monté populisme yeek nationalisme tuba bi sa yu jaxlé wala sa yak yakare bi am na problème té ñom li japp ci moy problème so ñëw Afrique ñun do dara suñu parce que ñun ñoo ngi bëgga dé mais sa yu jappé ni am na problème immédiatement Gambie lay joxone ki moy responsable motax fi du suñu place suñ fi togal 50 ans nak duñ fi am gan lañ fi ñom sen modèle niñ ko défé dañ ko défa pour que ñom sen modèle profiter len ñom légui nak ful la moy jay la xaar man ci dama wax toujours je n'ai rien contre les femmes dama dem sax femme parce que nit da ngay xam lan moy sa intérêt nga défendre ko donc dafa am lo xamné ci ñun la so amul ful nak ci sa réew da la yalla jox ci alal da tayle ko tayle sa pétrole sa zircon sa or su tuba bi ñëwé nga jox ko say marché public yi gëna gal né ko may na la nak do fay gëreum ci ñëm léné sax bu dé chinois yi bi nga né ko may na la nga dem jëli say liggéey kat sa dëkk ñu ñëw bo bu jamono say say jëne ni fofu am ñu liggéey kok bu la respecté kok intérêt xam na ko mu ngi koy jaam mu ci am lu bëgg bu ko défé nak say doom tok ci réew mu ñu fé tedd ñuy jël ay gaaw la jël des heures bi ñëw suñu ñëwé fi ñu la di ma traité donc da fa am lo xam ni ci ñun kessé la motax combat bi chaque jour mo ko jëri wax ko émigré yi combat bi ñu ngi dëkk ba dañu ñëw def face gis nga ya une poignée de personnes système système bi matu ñu 0.5% de la population ba paré tok ci bakkar nit ñi mais kenn du fi noy ñu tam nak pour la question des femmes et des enfants tamit damay relativiser li nga wax nak wax dëgg yàlla dafa am loo xam ne ñun ci suñu aada ak ni ñuy fonctionné je ne pense pas qu'on ait ces problèmes là en tout cas ñun Sénégal c'est des sociétés bien organisées ak ethnie boo mënti jël ak xeet boo mënti jël te kenn ku ne amul nga sa rôle booy jouer te jigéen ñi dëgg nag ñoo ëppoon sax ñoo ëpp doole ñoo ëppoon doole sax maintenant société day évoluer comment intégrer yu bees yi sans bañ a déstructurer li baax ci ñun parce que ñun duñu tubaab tey ñun dañoo am modèle social boo xam ne solidarité la jàppante la et cetera modèle boobu ñu jàngaloon yar ñu si dañ ko war a fexe ba di ko suuxat bañ koo bàyyi parce que fii jigéenu tubaab bu doon souffrir moom doo ma ci appartement du gis papa du gis yaay du gis keneen foofu lay souffrir suñu jigéen boo amee problème am nga say càmmiñ am nga sa yaay am nga sa bàjjen am nga sa papa société communication la donc yooyu nañ ko maintenir c' est important la ca des nag nu ñuy def ba kuy sénégalais lay sa àq nga jox ko ci sen nga jot ko ci Sénégal évidemment am na ay formes de discrimination mais jigéen ñi par exemple ci wàllu liggéey Sénégal ba ci wàllu mbay wala leneen pourtant ñi ngi liggéey mais dafa mel ni lu bëri ci ay facilité amuñu ko loolu d' accord nañ ci xale yi di xew ak le phénomène des enfants de la rue et cetera et cetera munul nekk kenn en tout cas kenn du yéene loolu sa doom mais je crois que yooyu nañ ciy réfléchir essayer tuul ay solution yoo xam ne suñuy solution la ñun ni ma koy waxee ci modèle économique naa ko waxee ci leneen identifier des problèmes c' est une chose mais trouver des solutions yoo xam ne doo ñëw ne li fi nekkoon yëpp dara baaxul bëri na lu baax su baaxuloon defe naa peut être yow sax doo nekk fii nga nekk nii ndax jigéen nga te da ngaa yaru ci société màggee fa et je ne pense pas que ci biir société boobu vivre nga fa ay brimat yoo xam ne c' est parce que jigéen nga rek tey il faut ñu dóor la wala il faut ñu def la nii wala ñu def la laa donc nañu consolider d' abord nos acquis nga xam ne ci suñuy culture la suñuy diine suñu paree rek ñu xool lan mooy problème yi ak yan solution lañ ci mën a apporter notamment ci éducation bi naka la ñuy def ba jigéen ñi yàgg ci école bi gën a am chance par l' éducation s' il faut faire des politiques de discrimination positive bind naa ko ci livre bi ñu def ko mais inscrire le principe de l' école obligatoire ba benn niveau bi
nakala ñuy def bo réforme agraire may proposer man pour que paysans yépp mën a moom seen suuf, naka la ñuy def ba jigéen bu nekk monde rural mën a am le même droit d' accéder à la terre que góor, parce que dans beaucoup de zones soo demee dañu naan jigéen waru moom suuf si. Donc yooyu c' est des questions qu' il faut examiner, ñu xool ñu ciy ute ay solution, mais bu ñu rasé lépp wax dëgg yàlla suñu société aussi am na ay mécanisme, am na ay avantages, am na loo xam ne dañ koo doonaat ko te muy bu baax a baax moo ñu téye ba léegi Sénégal. Kon yooyu itam mënuñu koo di jour au lendemain rasé pour dire que il faut ñu andi leneen. Santé bi ñëw na à deux reprises je crois les deux des dernières questions politique de santé. Man pour man santé deux choses la, infrastructure la ak social la. Boo seetee ci livre bi wax naa lu bëri ci social, naka la ñuy def ba tous les Sénégalais am une couverture sociale, am accès à des soins médicaux gratuits même s'ils n'ont pas le moyen. Loolu bind naa ci lu bëri bëri ci livre bi, parce que Sénégal tey il y a 400 000 Sénégalais ñoo am protection sociale, 400 000 Sénégalais sur une population de 15 millions. Tous les autres, les artisans, les ouvriers, les mécaniciens, les agriculteurs, ba ci ñi nga xam ne ñoo ne ci kër yi di liggéey chauffeur yeeg jànq yi nekk domestique, ñooñu yëpp kenn amu ci couverture sociale, kenn amu ci protection maladie, te loolu c' est inacceptable dans une société. Il faut que ñu généraliser. Mais xam nga loolu yëpp man dama bëgg ñu changer la façon de faire la politique. loolu yëpp balaa nga koy wax toujours nañu wax fan la ñuy jëlee lu koy financer. moo tax le pari, le premier pari, le combat le plus important bu ñu war a gagner, et je reviens toujours ci notion boobu, mooy fexe ba am la souveraineté sur nous mêmes et sur nos ressources. parce que am nañu les moyens de financer li may wax yëpp rek, am nañu les moyens de construire des hôpitaux de qualité. on a tous ces moyens là. chaque année plus de 300 milliards de dollars de jeunes d'Afrique rien que sur les flux financiers illicites. li ñuy ndax di ko génn ci continent bi, lii ci contrat yi, lii ñu yóbbu ko ci paradis fiscaux yi. imagine loolu su dellu si woon Afrique. Sénégal mu ngi tudd ci 50 milliards de dollars buy génn chaque année ci ay flux illicites. te am nañu les moyens de combattre ça, mais c'est parce que c' est au sommet les politiciens seen bopp ñoo koy couvrir, parce que dañuy am seen wàllu. donc si on gagne ce pari, et c'est pourquoi je dis tout le temps le chapitre le plus important de ce livre bi mooy le chapitre que j'ai réservé à la question du financement. chapitre boobu moom bëgg naa kenn ku ne xoolaat ko bu baax. on a les moyens de multiplier notre budget actuel par 4 ou par 5 en moins de 5 ans. te du jugee ci aide au développement, du jugee ci dette, du jugee ci FMI, suñu xaalis bopp la. mais dafa laaj ñu am cette volonté patriotique de remettre en cause un certain nombre de choses. or suñu classe politique classique bi la ci ëpp bopp foog nañ ni tey yenn débat yi soo ko posé, c' est à dire man Sénégal laa gis ay hommes politiques boo xam yoo xam ne ragal bitim réew ñeme sa askan. loolu mooy Sénégal. et la dernière intervention mi ngi wax ko Salaté, député suisse, mi ngi bind benn livre bu toll nii sur les questions de déchets au Sénégal en Afrique et dem na bëbës muy ci livre bi photo yaa ceeg lépp bind lu bëree bëree bëri bëri. imaginez que dans tout le Sénégal il y a aucune unité de transformation des déchets. il y en a pas. c' est extraordinaire. c' est à dire yow yaa ngi am problème yu doy noonu. les problèmes environnementaux, ndox maa ngi nangu Sénégal, gis ngeen li xew gerte nattaa yëpp, te moo xew Mbour, moo xew Casamance. avancé du désert dans le Fouta, remonté Saline, yow mënoo for sax sa mbali mënoo ko traité. des questions aussi élémentaires nga ne ko fi ñëpp dem jël 1600 milliards ne maa ngi def train pour ñëpp xam ni train bii daw Suisse mooy daw Sénégal. nous gagnons et nous continuons à gagner largement et très bien notre vie. si c' était ça nous serions restés là où nous étions ou bien nous aurons accepté les offres qui nous étaient faites, on serait aujourd'hui dans le système est très riche. nous ne faisons pas de la politique pour ça. et donc il n'y a pas à être pressé individuellement. maintenant nous sommes très pressés pour le Sénégal, parce que nous ne pensons pas que le Sénégal peut encore continuer à subir la situation actuelle.
5 autres années de Macky Sall, ce serait une calamité. Moi, je ne vais jamais, je ne m'engage jamais avec un esprit défaitiste ou alors en me disant que je vais tuer pour faire la figuration. Tous ces efforts que nous fournissons, ce n'est pas pour aller faire la figuration. Si on s'est engagé, c'est qu'on est convaincu. Hier plus qu'aujourd'hui même, alors que hier, personne ne nous connaissait, on démarrait. Et tout le monde nous disait que vous n'avez aucune chance. Vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas de l'argent. Vous n'avez jamais fait de la politique et vous pensez que ça va venir comme ça. Et si c'est en ce moment-là qu'on a su rester droit dans nos bottes pour conduire ce projet et ce combat, aujourd'hui, que par la grâce de Dieu, on nous cite parmi les 3 ou 4 challengers éventuels, pourquoi douterions-nous? Nous ne doutons absolument pas. Nous sommes sûrs, convaincus qu'on peut le faire en 2019. La question de la casemasse, on peut trouver facilement et rapidement une solution. C'est ma conviction. Mais encore faudrait-il que nous sachions qu'est-ce qui se passe en casemasse. Personne ne peut nous dire qu'est-ce qui se passe. Comment c'est géré, par qui. On en a fait une affaire ultra secrète. Or, c'est une affaire qui doit impliquer et intéresser tous les Sénégalais. Les preuves qu'il y a entre les Sénégalais doivent être discutées par les Sénégalais. L'Assemblée nationale n'a jamais été impliquée dans la gestion de la crise casamassée. Vous croyez que c'est normal? Aucun député ne peut vous dire ce qui se passe. Et même dans le gouvernement, je suis sûr qu'à part le président et peut-être le ministre, personne ne sait ce qui se passe. On nous parle de M. Casamance. C'est quoi M. Casamance? Donc il est temps que nous ayons une approche inclusive. Nous sommes tous Sénégalais et quand les Sénégalais se retrouvent entre eux, ils peuvent se parler et trouver des solutions. Nous avons des mécanismes. Impliquer toutes les autorités religieuses et coutumières et que l'État, aussi bien l'État que ceux qui revendiquent, viennent s'asseoir à la table en présence de tout le monde pour discuter. On trouvera rapidement une solution pour la casemasse. Maintenant, nous considérons que le problème casemassé est un problème réel, mais n'est pas spécifique à la casemasse. C'est un problème qui concerne toutes les régions périphériques du Sénégal. Si c'est des injustices qu'on a pu indexer, un manque d'investissement, d'infrastructures, un isolement, ainsi de suite. C'est valable pour la région de Kédou. C'est pire même à la région de Kédou. C'est valable pour la région de Matam. C'est valable pour la région de Kédou. Nos hommes politiques ont été extrêmement incompétents sur cet aspect-là parce qu'il n'y a pas eu une correcte distribution de la richesse nationale de sorte que chaque Sénégalais se sente fier d'être Sénégalais là où il habite. Après, pourquoi moi je suis sceptique pour statut spécial pour la casemasse. D'autres ont dit référendum d'autodétermination. Je ne suis pas pour un statut spécial. Dans le livre, j'ai proposé une réforme territoriale avec les 6 grands pôles. Il faut revenir aux 6 grands pôles qui soient des pôles régionaux et des pôles de développement. Et dans ces pôles-là, la casemasse, c'est un pôle, toute la casemasse naturelle. Vous ne pouvez pas avoir 3 régions en casemasse, c'est du Kolda, Ziguinchor, et aucun des pôles n'est viable. Le Sinsaloum est un pôle, la région du fleuve est un pôle, et ainsi de suite. Et il faut que ce soit pas seulement des pôles régionaux, des pôles administratifs, il faut surtout que ça coïncide avec une vision de développement des pôles économiques, mais avec un réel transfert des pouvoirs, transfert de fiscalité, pour qu'on ait de véritables autorités locales qui puissent prendre des décisions, comme le cas des cantons ici en Suisse, il sera uniforme pour tout le Sénégal. Si vous mettez des statuts spéciaux, pourquoi il y a le problème catalan aujourd'hui? Parce qu'on a accordé un statut spécial au Pays Basque. Dès que vous ouvrez la brèche, tout le monde s'engouffre et chacun va dire, moi aussi je veux mon statut spécial. Et c'est pourquoi je ne veux pas de ça. Faire un référendum, c'est stigmatiser davantage, à mon avis. Mettons en place les schémas dont je viens de parler pour remettre tous les acteurs autour de la table. Je crois que les raisons qui avaient motivé beaucoup de choses en 1982 ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc le temps a fait son œuvre. Créons les conditions d'une discussion, mais inclusive, comme les assises nationales qui ont été faites ici, mais qu'on ne laisse pas ce dossier entre les mains d'un seul homme, juste le président de la République.
qui dit que moi je discute, je ne discute pas, et puis on prend des mallettes d'argent pour distribuer à gauche, à droite, on pense qu'on a réglé le problème.